En fait, j'ai découvert l'événement via Facebook, par une amie, par une invitation. Et ça m'a tout de suite plu, je trouvais ça original. Donc je me suis dit, bon, allons-y, c'est un dimanche matin, il faut se lever un peu plus tôt, mais bon, ça vaut le coup. D'une, parce que l'idée, je l'ai trouvée super sympa. J'aime bien les réunions un peu communautaires, il y a plein de monde. Et puis moi-même, je pratique le yoga. Je pensais que c'était très original d'organiser quelque chose comme ça, en plus dans un lieu aussi beau et mythique de Paris. Faire ça sur le Champ de Mars, devant la Tour Eiffel, des choses qu'on ne fait pas tous les jours, quoi. En plus, Elena Bauer est quand même quelqu'un de, semblerait-il, extraordinaire. Donc une occasion d'avoir un cours avec elle, c'est génial. J'étais bluffée. L'organisation, déjà très très bien. I feel like everyone was very in touch with each other despite their nationalities. Très bien et un peu sportif. J'ai trouvé que c'était un très beau moment de solidarité, de fraternité et d'échange. Une fois les 2-3 premières minutes passées, j'étais dedans, j'étais très touchée, bouleversée à certains moments. Une heure de yoga absolument merveilleuse. Ah, yoga, ça veut dire lien en sanskrit, si je me souviens bien, et ça fait le lien entre le corps et l'esprit, et c'est agréable de retrouver un peu des racines, quoi, des fois. 2000 personnes qui se réunissent à un même endroit pour participer à une même chose et ne faire qu'un, ouais, ça c'est un vrai truc qui est très fort, qui fait qu'on reste humain.